Mardi 30 octobre 2018 là dans le local ministère communication te gagné un point presse pour bailler quelques explications sur prochaine visite joueuse de tennis haïtiano-japonaise Naomi Osaka dans pays Haïti ce mardi pour arriver 10 novembre 2018 là. Naomi c'est haïtiano-japonaise là qui souhaite remporter US Open 2018 là pendant les dans pays là il pourra visiter plusieurs côtés et puis rencontrer avec plusieurs personnalités. Responsable des affaires culturelles dans le ministère des Affaires étrangères, Yvonne Green, a donné plus de précisions sur ça dans le micro Michel Dalcé avec Emmanuela Turin. Nous n'avons pas accueilli naturellement au salon diplomatique aéroport, là, la rentrée le 6 novembre. Et pour un point de presse dans le salon diplomatique, et tout. Donc, je pense que par invitation à travers le ministère de la Communication. Ensuite, il va recevoir l'ambassade du Japon et l'a entretenu avec la communauté japonaise qui est en Haïti, une communauté qui forte de près de 100 membres. Ensuite, le lendemain, le 7 novembre, il va au parc olympique sur route 9 là où il va un match de tennis organisé par le ministère des Sports et Fédération haïtienne de tennis hein, qui a organisé une plaque d'honneur avec un gerbe de fleurs et aussi un match avec plusieurs jeunes l'entité maintenant après la pralée dans l'après-midi à l'au palais national où président Jovenel Moïse a recevoir pour le décerner une distinction ou honneur de la République d'Haïti, enfin honneur du pays. Ensuite, il peut aller Jacmel, parce que c'est ville natale papale, où déjà depuis 20 ans, papa a été ouvert l'école, l'école maternelle, et il a visité, il a rencontré avec plusieurs personnes, personnages, dans le centre sportif de Jacmel. Et donc, après Jacmel, il a fait plusieurs petites visites touristiques de la ville. Et ensuite, il a fait un spectacle culturel, un WAF touristique là, avec plusieurs artistes. Et plusieurs artistes, l'orchestre des Sex Baptistes, Explosion de Jacmel, la musique de Samba Zao. Et ensuite, le lendemain, l'a quitté Jacmel pour visiter Mupana, où il y a une exposition de peinture, et aussi Bureau National d'Ethnologie. L'a visité l'ambassade américaine, et ensuite, l'a visite officielle avec le Premier ministre. Là. Et ensuite, le 10 novembre, l'a reparti.